Salut à tous, c'est Léo, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 35 de la carrière de manager avec Lyon. Au programme de la vidéo, un premier match contre Nantes à domicile en championnat. Ensuite, on jouera contre l'Estac de Troyes à domicile une nouvelle fois et on terminera par un match à domicile contre Toulouse. Au classement, on est toujours premier à 4 points devant le PSG. Alors qu'on a un match de retard, il ne nous reste plus que 4 rencontres pour essayer de remporter le titre. Fin du match, excellente victoire, 4 buts à 0 contre Nantes. On a largement dominé la rencontre, même si Nantes a réussi à se procurer des très belles occasions, notamment un pénalty qui a été arrêté par Lopez. 11 tirs et 11 tirs cadrés pour nous. Maxime Gonalon est homme du match, un but pour lui, note de 8,9. Sinon Fekir a marqué un doublé alors qu'il est entré en jeu. But de Beauvu, passe décisive de Fekir, Lacazette, Entep. Victoire 4 à 0 contre Nantes. Dans le dernier épisode, on avait proposé deux contrats pro à deux jeunes joueurs de notre centre de formation. Ils ont signé Rachid Mendy à 17 ans, 72 de général. Et regardez, il a 5 étoiles de gestes techniques. L'autre joueur à avoir signé est un milieu droit de 16 ans, 70 de général et 3 étoiles de gestes techniques. Prochain match contre 3 à domicile. Voilà la composition d'équipe. Notre jeune joueur Mendy est titularisé sur le côté et on va donc pouvoir le tester. C'est parti. Match contre 3 à Gerland. Au classement, on est toujours premier et on a réussi à creuser notre avance avec le PSG. Ils ont un match d'avance, mais nous avons 5 points d'avance sur eux. Le match commence à la 11e minute. Un centre dévié qui passe pas loin de la lucarne de notre gardien qui s'était trop avancé. 14e minute, Lacazette obtient un coup franc et un carton jaune pour Ayas, un joueur de 3. Sur le coup franc tiré par Grimaldo, Yanga Mbiwa réussit à placer sa tête. Ouverture du score de notre défenseur central à la 17e minute. On voit ici la passe décisive de Grimaldo et Mbiwa qui coupent de la tête. 53e minute, 3 un coup franc à peu près similaire. Ils centrent dans la surface, mais leur tête passe au-dessus. Tout le monde ne peut pas se vanter d'avoir le talent de Yanga Mbiwa. 68e minute, interception parfaite de Issim Amira au moment de la frappe de Camus, un joueur de 3. 81e minute, Claudio Beauvu a la balle sur le côté droit. Il essaye d'emmener son défenseur, réussit son dribble en dans la surface de réparation. Puis il se fait faucher par un défenseur troyen.
L'arbitre désigne logiquement le point de pénalty et Beauvu qui va malheureusement rater ce tir. Il manque l'occasion de marquer le but du break. 87e minute, Gabriel frappe mais ça passe à côté. Et dans le temps additionnel, 3 à une dernière occasion avec Auton qui rentre dans la surface de réparation. Il joue en passe dans notre surface et la frappe de Camus qui passe à côté. Les Troyens manquent donc l'occasion de repartir avec le point du match nul. Victoire 1 but à 0, l'unique buteur de la rencontre Mbiwa et Noumiam du match. On prend donc les 3 points contre 3. Dernier match de la vidéo contre Toulouse à domicile. Une nouvelle fois on met l'équipe 1 en cette fin de championnat, les joueurs ont beaucoup de temps pour se reposer entre chaque match. C'est parti. Le match qui commence à la 9ème minute avec une occasion pour Toulouse. Akpa Akpro reçoit la balle dans la surface mais son tir passe à côté du poteau. 15ème minute, Alex Lacazette reçoit la balle dans la surface et réussit à marquer le premier but de la rencontre. Un très beau crochet devant le goal et c'est le 26ème but toute compétition confondue pour notre attaquant. On voit ici la belle frappe inatteignable pour le gardien. 29ème minute, Somalia frappe et ça passe encore une fois à côté. 31ème minute, Alex Lacazette a la balle sur le côté. Il élimine des joueurs parfaitement et passe à Gonalon. La reprise n'est pas cadrée. 36ème minute, Fekir a le ballon, il rentre dans la surface de réparation, tente un arc-en-ciel et une reprise, ça frôle le poteau et on ne passe pas loin d'un but magnifique. 70ème minute, Regatin a la balle, il frappe, c'est repoussé par Anthony Lopez. 84ème minute, Alexis Blin va marquer et regardez cette interception d'Aïssa Mendy qui l'empêche, magnifique tacle qui nous permet donc de gagner la rencontre. Victoire 1-0, l'homme du match est Clément Grenier avec une note de 8,2, match serré entre les deux équipes, on prend les 3 points. On est définitivement sacré champion après nos 3 matchs de championnat. On a 8 points d'avance sur le PSG alors qu'il ne reste plus qu'une seule rencontre. Grâce à nos 3 victoires dans cette vidéo, 2 victoires 1-0 contre Toulouse et les Stags de 3 et une victoire 4-0, on remporte donc notre deuxième titre consécutif. Il ne nous reste plus qu'un match contre Sochaux à l'extérieur pour terminer en beauté ce championnat. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci d'avoir regardé et à la semaine prochaine pour la fin de la saison.